Tina's voice I hear. No, no, they have gone. They have gone. Marching to join the glory above. Oh, no, they have gone. When the saints shall march to heaven with Jesus as their leader. Marching a warrior soldier. Yes, able soldiers. Singing and rejoicing. Let the sinner cry. Oh, no, had I know. Oh, no, the sinner's voice I hear. Long gone, they have gone, they have gone. Marching to join the glory above. Oh, no. I know. Oh no, the sinner's voice I hear. Oh God, they have gone, they have gone. Marching to join the glory above. Oh no, but I know. Wake up, slumber, wake up, and prepare for the glory. Meeting Jesus, your Savior, the captain of the band. Prepare before it's too late, oh, join the group that cry. Oh, no, but I know. Oh, no, the sinner's voice I hear. Gone, gone, they have gone, they have gone. Marching to join the glory above. Oh, no, and I know. Oh, wake up, somber, wake up, and prepare for the glory. Meeting Jesus, your Savior, the captain of the band. Prepare before it's too late, oh, join the group that cry. Oh, no, and I know. Amen. Le dernier, il a dit, oh, lève-toi, tu as qui a entré de sommeil. Tu as qui a déjà tombé dans la route. Tu sais que la route de cet voyage, c'est rigoureuse. Ce n'est pas tout droit. Ce n'est pas boulevard. Donc, il y a beaucoup qui a déjà tombé dans la route. Il y a beaucoup qui a déjà blessé. Alléluia. Remember that the road of this salvation is not an express road. It's a rigorous way. The way of cross is a rigorous way. Many have fallen, many have backslided, many are sleeping. He said they should wake up. Il dit réveiller. Il dit prépare-toi pour cette gloire. Réveille-toi et prépare pour cette gloire. Pour rencontrer Yeshua Amasia qui notre sauveur. Notre sauveur. C'est lui le capitaine de cette militaire. Capitaine de cette militaire. Le chef des militaires. Alléluia. C'est lui le chef des militaires. C'est lui le chef de cette voyage. C'est lui le chef de cette mission. Alléluia. C'est pour cela que quelqu'un ne doit pas dire, quelqu'un, tous les gens qui ont dit qu'ils sont sous-lieutenant général, va repenter où? On a... Chef de cette mission qui est Yeshua Hamashiach. Que Dieu délivre tous les gens qui ont été de prendre le titre, cet titre. May God deliver all the people that are taking the title of Jesus. He is the captain of the band, the captain of the ship. He is the captain of the ship. He is the GO. He is the
G.O., General Overseer, is Yeshua HaMashiach. So that's why I pity you that are taking all those titles. Go and throw it away. Go and throw that titles away. Go, don't take position of Jesus. He's the captain of the ship. He's the G.O., General Overseer. He's the overseer of his ministry. Hallelujah. Amen. He prepare before it is too late. Prepare toi avant que c'est trop tard. Avant que c'est trop tard. Le temps que nous sommes maintenant, c'est très dangereux. Les gens meurent tout le seconde. On ne sait pas qui est next maintenant. Mais plus bas, en train d'attendre toute la vérité là, il ne veut pas. Répande-toi. Réveille-toi. Alléluia. Toi qui l'aimes encore le monde, toi qui voulais fréquenter un peu avec les gens qui ne sont pas les gens. Le titre du message aujourd'hui, c'est les faux gens qui vivent avec nous. Ou les faux humains avec nous. Alléluia. The topic of this message says, today's message says, fake women among us. Fake people among us. So, come out from them. Il dit, sorti au milieu de... Sorti au... On va voir la Bible depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Il a parlé de cette genre, cette groupe, de cette faux genre. Tu les vois, ils sont comme humains, mais ils ne sont pas comme humains. Apôtre Paul, il a crié dans 1 Corinthiens 15. Il dit, ce n'est pas tous celles qui sont les mêmes. On ne sait pas les mêmes. Tu peux les voir, il est la chair comme humain. Comme humain, comme toi. Ce n'est pas humain. Alléluia. 1 John 15, Apôtre Paul chantait, dit, that not all flesh is flesh. You can see that man, that woman, that whoever he calls himself, he carry human flesh like you. Apostle Paul said, dear, he make it clear that not all flesh is flesh. There are some people, they are fish, but they are like human being. Il y a les chairs, il y a la chair comme le poisson. Ça veut dire qu'il y a les autres qui sont le poisson. Mais physiquement, tu les vois, tu penses qu'ils sont humains, mais spirituellement, ils sont le poisson. Il y a les autres, il y a la chair qui sont la bête. Il y a les autres que tu vois, tu penses qu'ils sont humains, mais ils sont la bête. La bête, il mange l'humain, il boit le sang, il déchire, il tue. Mais tu les vois dans la journée, tu les vois, c'est ton ami et tout, tu penses que c'est humain comme toi, mais c'est la bête. Que Dieu aide en Jésus-Christ. Il dit, sorti au milieu de eux maintenant avant que c'est trop tard. Réveille-toi. Réveille-toi. Toi qui dors. Toi qui as été désormais. Que tu ne peux pas mettre ton deux bras sur ta tête. C'est juste dit que, oh non, ils sont déjà partis. Ils sont partis. C'est ça que cette chanson a été dédiée. Oh non, qu'est-ce que Dieu fait sur ma vie? Ils sont partis. Le Saint, dont le Seigneur, il est parti. Qu'est-ce que Dieu fait? C'est ça qu'elle a dit de parler. You see, that song is saying that so that day you will not put your two hands on your head and say, oh no, they have gone. What have I done to my life? I am busy pursuing money, fighting all people, hating people, criticizing the servant of God. Now they have gone. Wake up. Il dit, oh, join the group that cry. Ou tu vas rejoindre le groupe qui va pleurer. Tu es dans quel groupe? Tu es dans quel groupe? Tu es dans quelle église? Tu es dans quelle assemblée? Il said, oh, you join the group that will cry. You are in which group are you? Which church? The people of a church, my church, my church, my church. Which group? Which assembly? Are you? You are in the assembly of internet, online. Hey,
What are you doing online? Are you practicing what the Lord said you should practice online, where nobody see you with your wickedness, what you are doing? Jump out from them and look for where the true brethren they are gathering. Whether they are two or three or four, the Lord is there. When you gather in the spirit and truth. Sorti, si tu es déjà développé, tu es les gens qui sont Jésus en ligne, 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 juste sur Internet, YouTube. Alors que, il y a là où que les enfants de Dieu rassemblés dans l'esprit, dans la vérité, je n'ai pas dit mensonge aussi, si là où que tu es, tu n'es pas encore trouvé, ça c'est autre chose. Mais si tu sais que là-bas, MFM tout, et prêche la vérité. Et tu es dans cette vie et tu ne peux pas venir écouter la vérité. Mais si c'est pour prendre l'avion pour aller en Afrique, tu peux aller. Tu peux appeler le pasteur, prier pour moi, je vais aller en Afrique. Mais si tu es pour venir ici, pour venir chercher Dieu, c'est trop long pour toi. Dieu va te juger. Sortez dans ce groupe. Va maintenant chercher le roi des rois. Alléluia. Amen. Que tu ne, à la fin de ta vie, ne peux pas être. Oh no, the Intina's voice I hear. Gone, gone, they have gone, they have gone. Marching to join the glory above. Oh no, had I known. Anglais dit, had I known, c'est la dernière mot. Et les méchants. Il dit, oh, si je savais, si je sais, oh non, oh non, oh non, le Saint est déjà parti. Mais je priais que ça ne va pas être notre portion au nom de Jésus-Christ. I pray that it will not be our portion in the name of Jesus Christ. Powers! Powers! Walking to destroy me. Qui marche pour me détruire. Qui travaille pour me détruire. Pouvoir. Pouvoir. Qui travaillait pour me détruire. Qui travaille pour me détruire. Destructeur, qui cherche mes erreurs, pour me détruire, tombe-moi, fall down and die, fall down and die, all destroyers, that is looking for my errors, to use to destroy me, Tout rêve négatif. Programmé pour me détruire. Investissement satanique. À travers mes rêves. Pour me détruire. Tu es menteur. Fire of God,
Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci notre Père. Amen. Toute maladie. Assieds-vous contre ma destinée. Toute maladie. Assieds-vous contre ma génération. Toute maladie. Assieds-vous contre ma vie. Puissant dans le sang de Jésus-Christ. Localise l'origine de cette maladie. Rompez-les. Rubbish them. Every sickness, every infirmity, every disease. Program against my life, against my generation, against my home, against my household, against my family lineage, against my bloodline, blood of Jesus, rubbish it, 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 rubb
Parce que Dieu descendait dans ma gloire. Dieu vient parler à Caïn qu'il doit aller faire ça que Abel il a fait. Au lieu de faire ça, il a pris le couteau. Et ceux-là, ils ont dit le couteau, mais c'est le caillou. Caïn, il a pris le caillou. En train de venir dans la derrière de son frère là qu'il a fait de travailler. Il a pris un gros caillou. Sur sa tête ici là. Bam! C'est caillou, grand caillou, qu'il a utilisé pour tuer son frère. Regarde là. La mort est douleur. Très douleur. Très douleur. Ton frère, même vous avez sorti dans le même ventre. La méchanceté. Des gens qui ne sont pas des gens. Dans la famille. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont tous dans la famille. Ils tuaient leurs frères. Ils gorgeaient leurs frères. You see what happened there? Go and read the book of Adam and Eve. Look, this is the right here in this Genesis. There's a lot of lie there. Cain killed Abel with his stone. Cain killed Abel with a stone. The Lord said, Adam, I don't want any of you to have relationship with Cain again. Cain have done the worst. I spoke to him, I come down in my glory and talk to him. Go and do like your brother, Abel. Instead of Cain doing that, Cain took stone and target his brother in the farm where the brother was working. And he hit his head from back. And Cain and Abel died. A sorrowful death. That's why today you see them. A lot of Cain. He said, I banish him. I want separation. Seth and your children. I don't want communication with you and Abel, Cain and the children. Right from the beginning of the creation, God called for separation from the wicked, from people who are not people. But the Babylonian teaching, the Babylonian Christians are teaching us nonsense. When our Yeshua HaMashiach called for separation, he said, there is no relationship between darkness and light. No relationship with the Baal and the altar of God. No relationship, we call it. That's why he said, come out of them, my people. Come out of them. In Revelation 18:4. Depuis la création jusqu'à maintenant, le Seigneur appelle toujours la séparation. Il dit, sortis au milieu de eux, mon peuple. Apocalypse 18:4. Sortis. Parce qu'il y a la destruction que je veux faire contre eux. Je ne veux pas que tu participes. Mais si tu veux, continue. Le Seigneur n'a jamais forcé quelqu'un. Mais il va te avertir. C'est pour cela qu'il va vers l'église, là où on va te avertir, te dire la vérité. Le vrai évangile de Yeshua à Masia. Que tu peux être sage. Aujourd'hui, on va voir des choses dans la Bible qui va ouvrir notre yeux plus en plus. La Bible, l'église de Dieu, c'est là que tu viens, tu apprends la sagesse. Tu vas savoir qui est toi, qui est tes amis, cette groupe que tu es, où ils sont où, cette église, cette assemblée, ils sont qui, ils viennent de où. On va voir aujourd'hui. We are going to hear mystery today. From this message, you will know who are you first of all. Which group? Which church? My papa and the Lord, my father and the Lord, papa and the Lord, my church. If it's not him that is preaching, I will not listen to anybody. You are finished.
Si ce n'est pas mon papa dans le Seigneur qui parle, moi je ne peux pas écouter une autre personne. C'est un livre que Dieu lit. C'est son livre que tu lis. C'est ton message que tu écoutes. C'est pour cela que tu es bloqué. Là que ton papa spirituel il est bloqué aussi, tu es aussi bloqué là-bas. Nous sommes dans... Maintenant, c'est le temps de révélation. Nous sommes dans l'avancement des valeurs de Jésus-Christ. Alléluia. That's why they lack knowledge and intelligence. The wisdom the Lord is pouring out on today, since you have chosen to remain with your papa in the Lord, mama in the Lord, and you don't want to search the spiritual and go deeper. The Lord call us to search the scripture, go deeper, so that the Lord can show you things, you can understand who is who. I'm not saying that the person is not teaching holiness, so he's not teaching what will take you there, but one person cannot get it all. Hallelujah. Amen. One person, God cannot give it to one person all. Impossible. If you like, walk with Satan. If you like, walk with whatever you like. Whatever you like, walk with it. God cannot give it to you all. That's why you say in Isaiah 28, little here, little here. Then you become correct. Vous gardez des sous, mon papa spirituel, ma maman spirituelle, Dieu, il ne donne pas l'affaire de mystère là, le mystère de la salut. Hey, Dieu, il ne donne pas une seule personne tout. Parce qu'il sait que nous, humains, nous sommes très orgueilleux. S'il te donne tout, il va te perdre. Il va te perdre parce que tu vas commencer de travailler avec le diable, avec Lucifer. L'esprit de God, il va rentrer dans ta vie. That's why God does not give all this mystery to one person, because he knows that when he gives it to you all, the spirit of pride will enter you, and at the end of it, God will lost you, because you will begin to walk with Satan by the spirit of pride, it will enter you. Nobody again can correct you, nobody again, and that's all, is it not what is happening? Papa pastor, mama pastor, bishop, pope, everything, come and hear the word of God. Little Sylvester, I want to tell you something. So it's like, toi, papa pastor, mama pastor, papa bishop, pape, viens écouter cet message. Le petit Sylvester voulait te montrer quelque chose que tu ne sais pas, qui est dans la Bible. Seigneur, viens prendre contrôle. Viens nous parler. De plonger tout le monde dans le sang de Jésus-Christ. De plonger cet message dans le sang de Jésus-Christ. De plonger notre vie dans le sang de Jésus-Christ. Et je commande que tout esprit, tout démon qui va essayer de lever contre ce message, ou contre chacun de nous, contre notre bénédiction, notre miracle aujourd'hui, que Dieu les conjure par le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu couvre son message avec son feu, et que le Saint-Esprit prend contrôle, agit l'Esprit de Dieu. Glorifie ton nom à travers de ce message. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. Quelqu'un va dire dans le livre de notre Yeshua, il a dit quelque chose dans le livre de Matthieu 13. Matthieu 13. Let somebody go. Let us go and see the word of our Father, our King of Kings, Lord of Lords, Yeshua HaMashiach. The introduction of this message, what it says in the book of Matthew 13, from verse 24, à partir de verse 24. C'est 24 au 23. Matthieu 13. Tout le monde va lire. Il faut préparer pour toi. Arrive. Matthieu 13, à partir de verset 23. D'autres enfants reçoivent. Que quelqu'un aussi. Quelqu'un aide-moi. Vous avez le portable, va chercher dans le livre de Enoch. Enoch chapitre 6. Si tu mets Enoch chapitre 6. Enoch chapitre 6. Alléluia. Ok, allez-y. D'autres enfants. Let somebody help me also. If you have your telephone there or your internet, go search, get me Enoch
chapter 6. We're going to see something there. We're going to get a comparison there. Enoch chapter 6. We're going to read Enoch chapter 6. And Enoch chapter 8, chapter 9. Ok, allez-y. D'autres enfants reçoivent la semence dans de la bonne terre. Ils entendent la parole et la comprennent. Ils portent des fruits, l'un 100, un autre 60 et un autre 30. Non, tu as dit de lire où? Verset 24. La parabole de la mauvaise herbe. Ah, c'est ça qu'il dit. Jésus leur raconta une autre parabole. Jesus Christ, he said unto them another parable. Le royaume des cieux ressemble à quelqu'un qui avait semé de la bonne semence dans son champ. Quelqu'un là, il a semé la bonne semence dans son champ. Dans son champ. Verset 25. Uh-huh. Une nuit, pendant que tout le monde dormait. Et dans la nuit, pendant que tout le monde dormait. Son ennemi vint semer de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Ah ah. La vie. Ils sont venus semer. Rappelle, cette personne. Regarde, tu as déjà fini? Le 24 d'abord. Tu as fini? Le 24, ok. We have finished 24. 24, that 24 say, he said, Jesus Christ, another parable, put he forth unto them, saying, the kingdom of heaven, remember he said, the kingdom of heaven, rappelle qu'il a dit, le royaume de Dieu, is like, it resembles, c'est ça, non? Il semblait, it's likened unto a man which sowed good seed in the field. But why men sleep? Why everybody is busy doing their business, doing everything? Nobody is interested of God and everything. Quand un homme dort, signifie tout le monde en train d'aller et d'aller travailler. Les gens ne s'en foutent de Dieu. Ils font les choses. Ils ne regardent pas. Et ça te regarde là-bas. Et moi, je ne vais pas à l'église. Je dis, moi, va là-bas. Ça, c'est le temps que tu es en train de dormir. Tout le monde fait comme il veut. Ça, c'est le temps que tout le monde est en train de dormir. Cet ennemi, il a venu comme Nicodème, il a rentré, il a planté quelque chose qui n'est pas bien. Il a planté quelque chose qui n'est pas bien. Rappelle, il a dit de parler de son royaume. Et cet royaume était introduit, le paradis, cet paradis était introduit sur la terre là par comment? Éden. L'Aden et Éden. Alléluia. This kingdom that the Lord is talking there, a paradise. He introduced that kingdom in Garden of Eden. Garden of Eden, where he introduced Adam and Eve. He broke them. Jesus Christ is giving us that explanation there. Then an enemy come and plant something. An enemy come and also put his own. They come and put his own. Oh, que Dieu aide en Jésus Christ. Les ennemis sont ennemis, il a venu. Cet ennemi c'est qui? Jésus Christ, il n'est pas arrêté là-bas. Il a pris encore la parole. Parce qu'il veut que toi et moi, comprends quelque chose. Le message dit, les faux humains au milieu des enfants de Dieu. Le faux Jean au milieu de nous. Que nous, on pense que
Nous sommes amis, nous sommes la même chose, nous sommes les enfants de Dieu. Qui te dit que tout le monde, ils sont les enfants de Dieu? Qui vous dit que tous qui appellent au nom de Jésus-Christ, ils sont les enfants de Dieu, sera sauvé? Qui te dit ça? La Bible parle en parabole et nous on est en train de dire n'importe quoi. Les gens qui voient le faux, philosophie et théologie, qui réclament qu'ils sont pasteurs, en train de nous dire le faux. Pasteur, écoutez le vrai message de Dieu. Faux Jean, au milieu de nous. Faux Jean, dans l'église. Faux Jean, ils sont des pasteurs. Faux Jean, ils sont des bishops. Faux Jean, ils sont des prêtres. Faux Jean, ils sont des papes. Faux Jean, partout. Faux Jean qui rappelle le monde. Pastor, come and hear the truth. Who tell you people that say anyone that call the name of Jesus Christ will be saved? Who tell you? Where is that? When our Lord Jesus Christ here is separating us, is making us to know, making his children to know that there are fake human among us. So people, enemy come and plant it. Satan also come and sow his own children in the garden of our Lord, in the church, in this world. Satanic children, they are pastor, they are bishop, prophet and prophetess. They are everywhere. Pope, archbishop, G.O. or whatever. They are everywhere. Who planted them? Lucifer. Hallelujah. Amen. The Lord spoke here. That is the parable. Then he did not stop there. He moved on to explain it. Il a parlé là-bas, il n'est pas arrêté. Il a continué de l'explication. Comme tout le monde ne comprend pas, Seigneur, comment tu... On ne comprend pas ton parabole là. Il dit, ok, vous va comprendre maintenant. On va dans le verset 34. Verset 34. Comment Jésus utilisait des paraboles? Jésus dit tout cela aux foules en utilisant des paraboles. Il ne leur parlait pas sans paraboles. Non, c'est pas... C'est trop long. Là-bas, c'est trop... Descendez. He answered and said unto them, He that soweth a hair. Commence par 36. Verset 36. Attends, tu vas lire. Jésus explique la parabole de la mauvaise herbe. Jésus, il a 36, il a commencé de... Expliquer. Parce que tout le monde ne comprend pas. Mm-hmm. Because nobody understands that parable. He said in Matthew 20, he said in 24, verse 24. Cette parabole qu'il a dit dans le verset 24, les gens ne comprennent pas, son disciple ne comprend pas. Rappelle, il parle à son disciple. Remember, he's speaking to his disciples. Et il y a autre chose que je vais vous dire sur l'affaire des disciples. C'est pour ça que le Seigneur, c'est ça qu'il cherche le mot. Il a venu chercher le disciple. Ce n'est pas le membre, non. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. Disciple signifie les gens qui sont disciplinés. Le mot disciple, c'est pris dans le mot discipliné. Donc c'est pour ça que ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas quelqu'un qui dit que je suis chrétien, je vais rentrer. Non. Est-ce que tu es discipliné? Discipliné, c'est quelqu'un, les gens qui sont très, très attentifs et qui soulèvent le maître correctement avec tout sa loi et commandement. Il ne fait pas les bêtises. Another thing I want to clear unto us now is that when he is here, he is speaking to his disciples. The word disciples is taken from the word discipline. It is not open mouth and say, I'm a Christian, I'm a this one, I'm a Hebrew Israelite, I'm a this, and you are not disciplined. Discipline are the group of people that keep his commandment and walk in status and his commandments. And that's why he is opening this parable unto his disciples, the disciplined people. And these are the people that will understand what the master is saying, because they are disciplined people. Hallelujah. Donc c'est cette groupe qui sont disciplinés aussi,
qu'il a dit de parler, il a dit de débloquer cette parabole qu'il a dit là-bas. Qu'est-ce que ça signifie? Quel genre de... C'est pas encore fini. Aide-moi à lire. Après 24, il a dit quelque chose. Le disciple, il a demandé que... Seigneur, Jésus-Christ, il a dit quelque chose. Il a demandé que... On peut déraciner le mauvais arbre là. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a répondu? Let me go down for that. And after 24, he said, they asked him, can we uproot? Why can't we uproot that bad one or this? He said, no. Let all grow together. Mais pendant que les gens dormaient, c'est quel verset? Verset 25. Non, livre 25. 25. Oui. Son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Leurs serviteurs de maître de la maison vinrent et leur dirent, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ce là champ? Là qu'il a dit, on va déraciner. Il leur répondit, non, il dit de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déracinerez pas en même temps le blé. Ok. Il a dit... En verset 28. Il a dit, maître, pourquoi on ne peut pas déraciner le mauvais... Zebula, il a dit non. Laisse les deux grandir. Allez. When they asked him, Master, why can't us remove this bad tears that is here? He said no. Let them grow together. Let them grow together. At the end, à la fin de temps. Il va envoyer le message, il va venir déraciner, récolter tout le mauvais, il va déraciner, il va le jeter à l'enfer. Et tout ce qui est bon, il va garder ça pour moi. Alléluia. Alléluia. That's what he said. He said, don't need to uproot them. Don't need to uproot them when you read it further. He said, leave it, let them grow together. At the end, at the last day, my angel will come and uproot to the first of all, take away all those wicked people who are not human, even addressing to skin ne sont pas humains là, qui sont comme humains qui ne sont pas humains, il va les tous arracher et les jette dans le feu et garde mes enfants pour moi. He will come, my angel will come and remove all those people who are not people that feed this world, these wicked people. Fake human beings. Take them and throw them, burn them and throw them to fire. But they don't understand that parable. Now, he go to 36, begin to break it down. Les gens ne comprennent pas, some people ne comprennent pas cette parabole. Maintenant, il a descendu dans le 36, commencé de les débloquer. Allez-y. Verset 36. Ok. Puis Jésus laissa la foule et se rendit à la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de la maître. Maître, explique-nous. Nous, depuis que tu as dit cette parabole, nous sommes dans la confusion. On ne comprend pas. Papa, master, explain to us this parable. Since you say it, we are under confusion. We don't understand it. Give us the detail, break it down for us. Verset 37. Jésus répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. C'est fils de l'homme. C'est lui. Il parle de lui. Verset 38. Speaking, he said, who that sowing the good seed is the son of man. He is the son of man. He's talking about him. Le champ. C'est le monde. La bonne semence représente ceux qui appartiennent au royaume. La mauvaise herbe représente ceux qui appartiennent au mauvais. Thank you. Verset That's 3. Wicked seed. That's wicked people. That's good people that are of the kingdom. Alléluia. Vous dites quoi? Ce sont les enfants du mal.
Les enfants de mal, les enfants de Michan, les gens qui ne sont pas les gens et les humains qui ne sont pas humains. On a déjà fait cette message avant, mais le Seigneur m'a dit de reprendre et faire mon peuple de comprendre quelque chose qui est en train de passer dans le monde là. We have done that message before. The Lord said, take it again and let my people know what is happening in this world. So that you will ask yourself, who are you? Are you among the wicked children? Are you among the people who are not people? Women who are not people? Il m'a dit, dis-le. Comme ça, tout le monde qui m'attend, tu vas poser toi-même la question pour vérifier, est-ce que je suis parmi des enfants mâles ou je suis parmi des enfants du royaume? Alléluia. Allez-y. Verset 39. L'ennemi qui sème la mauvaise herbe. L'ennemi qui sème la mauvaise herbe là. C'est le diable. C'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. La moisson, c'est la fin du monde que nous sommes maintenant. Hein? Et les moissonneurs, ce sont les anges. Les moissonneurs, ils sont les anges. Un par un, il a tout expliqué. Verset 40. Comme on enlève la mauvaise herbe pour la jeter au feu, on va les enlever le mauvais arbre pour les jeter au feu, que les gens vous entendent de renseigner et dire qu'il n'y a pas l'enfer. Tout ça là, c'est parabole. Jeter l'enfer là signifie l'enfer où que les arbres là, c'est humaine, le blé et le livret. Et le blé sera séparé. Mais il a dit, laissez-les grandir ensemble. C'est un mystère. You see what is happening there? In that 35, isn't 45, where are you? Verse 40. You see what he said? Now, the time has come. He said, there is angels that will come and separate it. The tears and the weed. The tears there are the children of Satan. Why the weed are the children of the kingdom, the children of Father, the children of Yeshua Amasiah, the Israelites of God, the people of God, the children of the kingdom, the children of paradise. But see the mystery. Leave them to grow together. That is where confusion is now. Tu as vu? Regarde où qu'il y a la confusion. Laissez les enfants de diable. Laissez les enfants de Dieu. Avec les enfants de Dieu. Grandir ensemble. C'est là où on a le problème. C'est là-bas qu'on a rentré dans le problème. Tu as vu, non? C'est pour cela que toi et moi besoin l'esprit de discernement. C'est pour cela qu'il dit, je ne peux pas vous laisser orphelin, c'est ça, non? Orphelin. Je ne peux pas vous laisser orphelin. Parce que il y a le mystère qui a été dépassé dans le monde là. La salut, c'est un mystère. Je dois vous envoyer le Saint-Esprit qui va devenir l'esprit de discernement pour connaître qui est qui. Pour connaître les enfants de diable et les enfants de Dieu. Que oui, je dis, laissez-les grandir ensemble. Mais je ne peux pas laisser mes enfants sans le Saint-Esprit qui va les montrer les enfants de diable qui ne doivent pas ménager. Je ne dois pas laisser mes enfants comme ça et qui ne doivent pas rentrer l'église satanique. Il doit aller donner le Saint-Esprit qui va les diriger et de leur montrer toutes mes affaires. Comment mon chose doit se faire. Parce que dans l'église de Saint, toute chose s'affaire en ordre. Dirigé par le Saint-Esprit. Alléluia. Quand tu rentres dans l'église, tout le monde habillé n'importe comment, il n'y a pas
hors d'ordonnance là-bas, tous les morts, cheveux rouges, cheveux noirs, cheveux jaunes, cheveux poule, cheveux marron clair, tout se mélangé. Et il n'y a pas hors de là-bas. Ce qui arrive le pied, lui arrive le pied. Je veux qu'il arrive le pied. Je veux qu'il arrive la poitrine des hortes. Et le barbe, comme le barbe des cabri. Pape avec le chapeau. Hein? Que la Bible dit. Qui t'apprend ça, pape? Qui t'apprend ça, bishop? Qui t'apprend ça, tout? Vous avez trouvé votre doctrine pour mettre le chapeau sous la tête où? C'est Yeshua qui vous apprend ça aussi. C'est apôtre Paul ou c'est Pierre qui vous apprend ça? Disordre. Avec le Saint-Esprit, tu vas savoir que Yeshua Amasia n'est pas là. Alléluia. Amen. C'est pas Yeshua Amasia qui vous savez. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, il fait les choses en ordre. Il sous l'établissement de Yahuwah depuis au commencement. Tout son chose se fait en ordre. Il n'y a pas de désordre. Alléluia. Amen. Mais les enfants de diable, quand ils sont rentrés, ils sont tous renversés. Ils sont tous renversés et modernisés. Et vous dites que Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas méchant. Toute la route que vous pouvez passer, c'est un Dieu. Mais vous pouvez passer dans n'importe quelle route pour arriver où qu'il est. C'est le message de la religion mondiale. Ah, vous n'êtes pas encore écouté ça. Tout ça, j'ai déjà écouté. C'est un duo, mais tu peux passer par n'importe quel chemin pour rentrer où qu'il est. Vous avez vu, non? Vous avez vu que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Faux gens au milieu de nous. Faux prédicateurs au milieu de nous. Faux églises au milieu de nous. Laissez l'idée grandir. C'est là qu'on a rentré dans nos problèmes. Alléluia. You see what he say? You see where we enter into problem? Leave the two grow together. Satan children and the heavenly children growing together to the extent that we begin to marry. And Satan begin to do wickedly against the children of God. But one thing he promised us, he said, as I am going, I will not leave you people orphanage. I will give you Holy Spirit. That spirit is a spirit of discernment. Yes, I say grow together, but there is a, my spirit is coming to let you know who is who. The children of the wicked, the children of Satan, the children of Lucifer that is in your midst, so that you can identify them. That spirit will come. He said it's a comforter. And that's what he gave you and I. But the children of the wicked, Lucifer, he knows how to manipulate things. Mais Lucifer, les enfants de Lucifer avec Lucifer, il sait comment il peut manipuler les choses. Que toi et moi, on a été de dormir. Là où que la Bible dit, quand un homme dort, quand on a été de dormir, ils sont rentrés dans toute affaire. L'église, la maison, ont triché la Bible, prendre tout, renverser, tout. Alléluia. Et ils sont changés jusqu'à changer notre Bible, le Torah, et nous donner fausses choses
Et nous, toi et moi, on continue de suivre les gens qui ne sont pas les gens, humains, qui ne sont pas humains, au milieu de nous. C'est pour cela qu'ils détestent la vérité. Ils sont dans la famille. Moi, je vais te montrer dans la Bible maintenant. Je vais te montrer dans la Bible. Ils sont dans la famille. Il peut être ton papa, il peut être ton maman. Hein? Parce que comment tu dis comme ça? Va demander Dieu. Va demander Adam. Comment Caïn il a rentré dans sa famille. Ah, parce que comment tu dis comme ça? Va demander Jacob. Va demander Isaac. Comment Esaü il est rentré dans le vent de sa femme. Je rappelle que Isaïe, c'est Édomite. Pourquoi les Édomites, jusqu'à aujourd'hui, ils sont l'ennemi d'Israël? Il me disait, pasteur, why do you preach la date? Why do you preach la date? La parole de Dieu, c'est pour prêcher l'amour. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu, comment? Oui, Dieu il aime tout le monde, mais Dieu il connaît ses amis. Mais il veut que toi et moi aussi, connaît notre ami, notre ennemi. Il connaît tous ses ennemis. Et il arrive pour les gorger. Et c'est pour ça qu'il appelle toi et moi, c'est pas. Dans la famille, il va détester la parole de Dieu, détester la vérité. Combat contre la vérité. Qu'est-ce qui passe? J'ai accepté Jésus-Christ, j'ai dit, je ne vais pas vous suivre dans votre religion là, dans votre affaire là, que vous souhaitez, que ce n'est pas correct. Vous commencez de me combattre. Tu viens de où? Tu es qui? Le message là va te faire de demander toi-même, tu es qui? Toi qui refuses la vérité, combat la vérité, attaque la vérité, attaque MFN tout, attaque le pasteur, accorde tout la vérité qu'il dit. Demandez toi-même, tu es qui? Est-ce que tu es sûr que tu n'es pas parmi les enfants de Lucifer? Le temps est arrivé dans le John 8. Jésus il a raconté encore. Regardez ce que Jésus a dit là-bas. Toi, aide-moi à lire. John 8, 44. Lis John 8, 44. Qu'est-ce que Yeshua Amashia qu'il a dit là-bas? D'abord, lis 35. Montre-le d'abord 35. John 8. 35. Je pense 35 ou 34, 35. Let somebody help me read it. Et tant encore, Jesus Christ met them again. He met them again, these wicked people. These wicked people, he met them again in John. See what he told them in John 8. Let us read first of all, either 34, 35. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché et qui connaît comment. Commet le péché et esclave du péché. Verset 35. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille. C'est le fils qui reste pour toujours. Continue. Verset 36. Si donc le fils vous libère, vous serez réellement libre. Verset 37. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Attends là-bas. Sa parole ne pénètre pas. Il ne pénètre pas. Vous avez vu, non? C'est pas encore. Reste là-bas. Sa parole ne pénètre pas. Il ne rentre pas. La parole de la vérité, les gens qui ne sont pas les gens, ou même qui ne sont pas les humains, détestent la parole de Dieu, détestent la vérité. La parole de Dieu, la vérité n'est jamais pénétrée et ne pénètre pas.
donne le cœur. Il ne rate pas. Ça, c'est un signe d'abord pour les connaître. Il va discuter. Il dit, vous cherchez pour me tuer. Vous réclamez que vous êtes les enfants d'Abraham. Ce n'est pas ça que tout le monde réclamait. Nous sommes chrétiens, nous sommes chrétiens, nous sommes chrétiens. Nous sommes islam, nous sommes ça, nous sommes islam. Mais vous êtes des tuyés. Les gens qui vous ont apporté la parole de la vérité. La parole que nous, on vous a apporté là, ne pénètre pas dans votre cœur. Vous êtes des diables. C'est la réponse de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous et même Dieu, comme vous allez dire avec votre bouche, vous ne pouvez pas me tuer. Vous ne pouvez pas commencer de faire les plans et arranger comment vous va éliminer le peuple de Dieu. C'est ça qui signifie que vous êtes des races de serpents. Vous êtes des races de Caïn. Vous êtes des races de Esaü. Vous êtes des races des Édomites. Vous êtes des races des anges qui a chuté. Si vous avez déjà trouvé Enoch, on va Enoch chapitre 6, Enoch chapitre 16. Si vous avez réussi, vous avez réussi? Vous avez réussi? Ok, ok. J'arrive. Continue. Tu es dans le 31? 38, ok. Verset 38. Oui, 38, yo. If you are really child of God, if you are really, see what he said, Jesus Christ said them there. You are looking for how to kill me. You are criticizing me. You are criticizing the true message of Yeshua HaMashiach because he said, if you are truly, truly from Abraham, this truth that I'm saying will penetrate your heart. But because you are not of God, that's why, Pastor Bishop, that's why this word can never penetrate. Instead of that, you will be looking for how to kill me. You are looking for how to kill me because you are not of God. You are not of that Yahuwah. You are not of him. Allez-y. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Uh-huh. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Donc on a deux pères. Ça qu'il a dit dans le Matthieu 13. Regarde l'explication de Jésus-Christ. Quand on parle, il vous parle. Moi, je te parle la parole de mon papa, Yeshua HaMashiach. You see, when we are speaking and they will be speaking, you see, the ministry of Christ, the ministry of Yeshua HaMashiach is not to come and please anybody. It's to tell them how it is, how the Father has spoken it. Tu as vu? Le ministère de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas pour venir caresser quelqu'un. C'est pour dire quelqu'un ça que Yeshua HaMashiach, il a dit clairement, très clair. Deux pères, deux papas dans ce monde. Soit que tu es de Dieu, ou que tu es de Lucifer. Humains qui ne sont pas humains. Au milieu de nous. You see it? Two father on this earth. It's either you are of God, you are of Yahuwah, or you are of Lucifer. Tell the people clear. And we know their identity. One of the identities is saying here, if you are from the Father, if you are from Abraham, my word that I am speaking, this truth that I'm speaking, will penetrate into your heart. And you will never think of killing me. You will love me, you will cherish me. But because you are not from Abraham, you are from Lucifer. That's why you are looking for how to kill me because your father is a killer right from the beginning. Alléluia. L'épisode qu'il a dit là-bas, il dit, parce que si vous êtes vraiment, voilà, la première identité pour connaître celui qui vient de Yeshua HaMashiach, qui vient de Yahuwah, Dieu lui-même, c'est la parole de Dieu. Quand il va écouter ça qu'on a parlé là, ça va les toucher. Même si il n'est pas convaincu, il va dire, oh,
C'est la vérité. Priez pour moi. J'ai besoin de la repentance. Mais quand une fois la personne commence à attaquer, commence à critiquer, commence à dire ça, le Seigneur dit, première chose que tu vas juger pour les connaître, il dit, parce que ma parole ne pénétrait, il ne rentre pas dans ton cœur, et au lieu d'accepter la vérité que Dieu a dit, te dit là, tu commences à me critiquer, elle commence à m'insulter, tu cherches comment m'éliminer. Il dit, tu es des diables. Parce que votre père, Lucifer, il est un tueur depuis au commencement. C'est pour cela que le bon chose ne peut pas, tu ne peux pas penser de bonnes choses. Tu vas détester la vérité. La vérité va devenir comme un feu. Il va te, comme un piquet. Il va te piquer et tu vas commencer de chercher comment tuer la personne qui dit la vérité là. Parce que tu es des diables. Humaines qui ne sont pas humaines au milieu de nous. Descendez maintenant, allez dans le 44. Let us go now. Let us go to 44 and see what happened there. 44. On va voir le 44. Qu'est-ce que la réponse, qu'est-ce qui a passé là-bas? Parce que tu, à la maison, tu vas lire ça. Tu vas voir les discours. Tu vas voir tout. La façon que Jésus a parlé. Il n'est pas pitié. Alléluia. Il a dit correctement. C'est comme ça. Quand tu rencontrais les enfants, les gens qui ne sont pas les gens, là, qui voulaient discuter, ils voulaient aller n'importe où. Je leur dis la vérité. Je te dis la vérité. Alléluia. See, that, you see, when you get home, read it all. You will see how them and Jesus Christ argued. Till today, they are here, they argue. They can be pastors, they can be people. I'm coming to you to expose your pastors. Il peut être pasteur, il peut être n'importe quoi. Regarde, les gens qui discutent avec lui sont qui? Ils sont pasteurs, pharisiens, les gens qui disent qu'ils sont professeurs de la Bible. On les poursuit tout endroit qu'ils sont attendus qu'il est, en train de renseigner. Vous venez faire quoi? Pour les attaquer. Alléluia. You see, it's all these people. You can be pastor, you can be bishop. Forget about this. We have seen all of you. But the Bible says, by their fruit we will know them. The children of Satan, the human that is not human, by their fruit will we know them. I am coming to the political area. I never touched those ones. Je n'ai pas encore arrivé dans les politiciens et tout, les gens dans le monde là. Tu vas voir, on va voir. Pour voir, pour toi qui dis que tu es un enfant de Dieu, que le Seigneur t'appelle pour faire très très attention au milieu de où que tu es. Pour savoir qui est qui. Ils sont qui? Ta femme, il est qui? Ton mari, il est qui? Tes enfants, il est qui? Tes parents, ils sont qui? C'est dans la Bible, on va voir tout. Les gens qui ne sont pas les gens. Allez-y. 44. Verset 44. 44. Oui, il faut avoir 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Qui est ton papa? Qui est ton papa? C'est pour ça que les enfants, si vous avez le parent qui ment, il vous le dit, il dit correct, maman, tu mens, papa, tu mens. Hein? Peut-être ton papa, c'est John 8, 44. Alléluia. You see the word of God, very clear. You see what Jesus Christ said in John 8, 44? The father of liars. That's why, children, everybody, if you have parents that are liars, tell your papa or your mama that, hey, this is your mouth, that papa, you are a liar. John 8, 44, go and look somebody that is there, maybe it's your father. I think your father is, that's why all the politicians in Nigeria, their father is John 8, 44.
C'est pour cela que tous les politiciens au Nigeria et partout, tout, sauf que les gens qui sont repentés, tout, leur papa, c'est le livre de John 8, 44. Il est comme ça. Tu sais, quelqu'un parle. Mais l'église, pasteur, qui ne dit pas la vérité, ton papa, il est John 8, 44. Va regarder toi-même là-bas. Et donne-nous de livrer au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est des gens qui ne sont pas les gens. Au milieu de nous, ou même qui ne sont pas humains, vivent avec nous. Je prie que Dieu nous délivre dans les mains au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est eux aussi que le Seigneur a dit dans Apocalypse 11, 18, j'arrive. Je vais venir détruire tout ce qui détruit cet monde. C'est eux qui ont détruit, renversé le monde. It is them also that destroy and turn this world upside down, that the Lord Jesus Christ said in Revelation chapter 11, verse 18, I am coming to destroy them that destroy this world. They are the one. Liars. They are champion in liars. Go and see how Nigeria, election have not done in that country, they vote in the person that won. They put in there. They will rig it. Go and look at all of them. Imposters. Dying, that already died for a long time. Wicked people that have no love of the children of God in their mind. They don't have the love of God. Va regarder au Nigeria. Tous les gens qui sont mis là-bas, qu'ils sont. Attends, je vais te montrer celui qu'ils sont. Bien-aimés, les enfants de Dieu, on vit au milieu des faux gens. C'est pour ça que tu dois connaître. Comment, regarde encore l'activité, comment le diable, le papa Lucifer, il a rempli ce monde avec faux gens. Si vous êtes là-bas, Enoch. If you are there, let us, before we read Enoch, avant qu'on lit Enoch, quelqu'un va voir ce qu'ils ont fait, les gens, faux gens. Ils sont fait couper-coller sous la Bible. Ils prennent, Genèse 6 d'abord. Tout ce qui est dans le nom là, ils ne peuvent pas mettre ça. Ils ont élevé ça. Ils ont mis MP dans le Genèse 6. See what they do to Bible, our Torah. See what they did to it. These wicked people, these people who are not people, these human who are not human, they took all the real, everything in the Bible, they remove it. They now do copy the gum, they remove the gum. John, Genesis chapter 16. Chapter 6. Genèse chapitre 6, verset. Lis à partir de verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre, et que des filles et des filles sont nées. When women begin to multiply on this planet, on the earth. Les fils de Dieu. And they begin to have children. Virent que les filles des hommes étaient belles. The sons of God, the angels. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Verset 3. Alors, l'Éternel dit. Regarde comment Satan, il a rempli ce monde avec faux gens, démons, partout. See how Satan filled this world with his own children filled everywhere. After what they did in Garden of Eden, where God planted his own seed. Alléluia. Amen. Ça, c'est après ça qu'ils sont faits dans le jardin d'Eden. Après, il a fini de faire ça, il a continué encore. Pour remplir ce monde avec un faux genre. OK, allez-y. Alors, l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair. Il vivra 120 ans. » Verset 4. Il y avait des géants sous la terre à cette époque-là. Donc, comment les géants, parce que le rapport et les enfants qui sont faits avec eux, c'est pour cela que le livre de Enoch 6, il a bien expliqué. C'est là-bas qu'ils ont coupé sa main là-bas. Et pour nous embrouiller.
That's why the book of Enoch chapter 6 explain it. Enoch, God used Enoch to, God show Enoch too much things. That's why God took him away. He did not see death. Dieu, c'est pour cela que Dieu il a pris Enoch. Enoch n'a pas vu la mort. Dieu il a montré, il a même vu Dieu lui-même. C'est pour cela que la Bible dit que quelqu'un n'avait pas vu voir Dieu vivre. Il a pris. Dieu il a montré toutes choses. Mais toute cette vie sont enlevées ça parce qu'il ne veut pas que nous on comprenne celui que nous sommes. Ok. Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Okay. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes. Okay. Et qu'elles leur eurent donné des enfants. C'était les célèbres héros de l'Antiquité. Ces enfants-là qui sont donnés, qui s'appellent Nephilim. Nephilim. Maintenant, attends. Enoch, maintenant, il va continuer. Il va avoir lu Enoch. Je sais pourquoi on dit qu'on prend ça. Oui, tout le livre là, c'est notre Torah. On va lire ça. Alléluia. These books are our Torah. Enoch, the book of Enoch. Go, you that have not known anything. Go and search these things. As you are hearing this message now, go to your internet, your Google, tap it and get it there. All these things, they cut it and put in Genesis and cut Genesis and they make everything. Do you even know that? Adam and Eve, they reconcile with God. They cut it, they don't put it in the Bible, they remove it. So that we see it that they die in their sin, they did not repent. And that many pastors are preaching it. Even I myself have preached it before. May God forgive us. They repented, they seek the Lord, they train their children. The rest of their children, they train them in the Lord before they die. They remove all this book from the Bible. They're wicked. People who are not people, women who are not women, fake women are among us. The Roman Empire, the Babylonians, false brotherhood, false Christianhood. Ils sont tous tricher, couper tout. Est-ce que vous savez que Adam et Ève, ils sont réconciliés avec le Seigneur, confessés tous leurs péchés. Fait vivre dans le Seigneur, met leur vie en ordre. Tous les enfants, les autres enfants qu'ils ont faits, on les tous montré le Seigneur et jusqu'à la mort, jusqu'à reposer bien dans le Seigneur, ils sont tout faits, ils sont arrangés tout et vivent dans la sainteté. Mais regarde la Bible qu'on nous a donnée, ils ont coupé l'affaire d'Adam et Eve et jusqu'à ce que tu vas voir le pasteur et tout, il dit, leur prédication c'est que Adam et Eve n'aient pas repenti avant qu'ils meurent. Ils ont fait tout ça, que nous on voit Adam et Eve comme les pécheurs qui sont morts dans leurs péchés et tout ça, alors que c'est faux. Le livre d'Adam et Eve, il nous a expliqué comment notre grand-père là et grand-mère, ils sont cherchés Dieu et pleurés sur leurs péchés, demandaient le pardon. Les gens qui ne sont pas les gens, les humains qui ne sont pas les humains, prends le Torah, prends la Bible, prends tout, renversez tout, changez tout, mets-nous dans la confusion. C'est pour ça que les gens ne savent pas qui ils sont. S'ils vont savoir Dieu, ils ne savent pas Dieu. Les autres réclament qu'ils sont athées. Les autres réclament qu'ils sont musulmans. Et les autres réclament qu'ils sont voodoo. Ils sont juda. Ils sont judaïsme. Ils sont hindous. Ils sont ça. Parce que si tu étais laissé, la Torah était laissée correctement, les gens vont connaître celui qui est Yeshua Amasia. Il est Yahuwah. Il est le créateur de ce monde. Les gens vont perdre de lui. Ils le savent. Les gens qui ne sont pas les gens, humains qui ne sont pas humains. Regarde, Satan, il commence à faire l'investissement des humains. C'est ça qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. I bridge. Demon vient coucher avec les humains. Ils ont commencé à faire les enfants. Nephilim. Jusqu'à aujourd'hui, tout le rêve que tu fais, il y a plus pas quand tu es enceinte, les gens ils sont enceintes, quelqu'un vient coucher avec toi dans l'enceinte, tu es enceinte, tu as fait le rapport dans le rêve, rapport dans le rêve, rapport dans le rêve. Ah,
Les enfants là, le bébé là, quand il va sortir, il est neflé. C'est pour ça que tout ça qui a rempli le monde aujourd'hui, ennemi de Dieu. Regarde les jeunes, ennemi de Dieu. Ils détestent Dieu. Ils détestent Dieu jusqu'à. Ils détestent Dieu. C'est Nephilim. Nephilim que vous avez partout le monde. Humains qui ne sont pas humains. That's why you see, look at this in the book of Enoch. How the sons of God, he said there are 200. The book of Enoch break it down. Le livre de Enoch, il a tout expliqué. Ils sont 200. Tu vas voir, Azazel. Il a mentionné tous les noms. Chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8. Chapitre 8 ou chapitre 7, il a mentionné tout le nom de sept anges qui sont venus coucher avec prendre le fils de l'homme comme leur femme. Coucher et ça, ce n'est pas seulement ça. Il a dit, il est à prendre toutes les mauvaises choses. Il did not stop there. Go and read that book of Enoch. Enoch chapter 6, chapter 7, chapter 8, chapter 9, chapter 3, chapter 13. Go and see what they did. One of the angels is called Azazel. After they took the daughters of men, the real human beings God created, they took them, they begin to have sex with them, have children. Look at what, go and see what their children did. They are eaters of flesh, drinkers of blood. What are we seeing today? The politicians are eaters of flesh and drinkers of blood in Nigeria. Nigeria politicians, eaters of flesh and drinkers of blood. Les enfants qui sont couchés, va lire, ok, aide-moi lire. Help me read it. Chapitre 6 de Enoch. Tu es là-bas? Soit anglais, soit français. Il n'y a pas de problème. Enoch chapitre 6 from verse 1. Mm-hmm. They consider all the trees when they put forth the green leaves, mm-hmm. become cover and produce fruit, understanding everything. And go down to 7. Verse 7. Verse 7. Mm-hmm. In those days shall you resign your peace with the eternal maledictions mm-hmm. of all the righteous and sinners shall perpetually execrate to you. Mm-hmm. Verse 8. Shall execrate you with the ungodly. Mm-hmm. With the ungodly. Verse 9. Mm-hmm. The elect shall possess light, joy, and peace, and they shall inherit the earth. Yes, the elect. Les élus, il va posséder cette terre. Uh-huh. Verse 10. Nous sommes dans le verse 10. But you, we only shall be accused. Mm-hmm. Verse 11. Tu seras maudit. Then shall wisdom be given to elect, and of whom shall live, and not again transgress by impurity and pride, mm-hmm. but shall only the self possess prudence, and shall not repeat transgression. Go to. Can you get chapter 7? Mm-hmm. But when you go down there, it will come. You tap it. Mm-hmm. Oh, nous sommes maintenant dans le chapitre 7. Chapitre 7, from verse 1. Uh-huh. It happened after the sons of men had uh-huh. multiplied in Tuesday. Ok, see it now. See maintenant, le chapitre 7 a expliqué ça qu'ils sont écrits dans le Genèse 6. The daughters were born to them uh-huh. elegant and beautiful. Elegant and beautiful. Uh-huh. Verse 2. And when the angels... The son of heaven. Attends, là-bas, il dit les enfants, là, les filles qui sont nées, ils sont élégantes et ils sont belles. Est-ce qu'ils ont mis le maquillage? Est-ce qu'ils ont mis le maquillage? Est-ce qu'ils ont mis le faux cheveux? Non. Est-ce qu'ils ont mis le bouc de oreille? Non. Est-ce qu'ils ont mis toutes les choses là? Non. Ils ont porté le pantalon? Non. Ils ont trié les faces? Non. Ils ont montré le patrie? Non. Continuez d'aller dans le faux église qui vous tentez de dire que Dieu ne regarde pas toutes ces choses. Ici? Beautiful and elegant daughters. We did not see them. They did not put earrings.
They did not put a fake ear. They did not put wiggy. Wiggy. You pastor said I should have put a wiggy. They did not put a wiggy. They did not put a chain. They did not put a lipstick. They did not put a trouser. They did not put anything. But the Bible qualified them beauty and elegance daughters. Natural. Natural beauty. Fake woman among us. Anything you put to other things, you are putting to beautify yourself, you become fake woman among us. Tout ça que vous allez mettre, le rouge à lèvres, le bougie, le mini-jupe, mini-robe, et montrer le pantalon et so, et toutes ces choses, faux chauvet, il vous a fait de devenir faux woman au milieu de nous. On ne joue pas naturel. Allez-y. And when the angels, the son of heaven, beheld them. When the angels saw them, quand les anges de Dieu, il a vu la beauté. Quelle beauté. Quelle beauté, toi, monsieur. Tu ne devais pas voir la beauté dans la route. Tu devais voir l'accident. Là que tu as regardé. Quelle beauté. Quelle beauté. Tu es devenu aussi un démon. Allez-y. They became enraged of them, saying to each other, come, let us select for yourself wife. This is angels are saying that too. Tu as vu? C'est les gens qui ont dit, après quand ils ont regardé les beautés, il a appelé les autres, venez-vous, on va choisir les filles là pour qu'ils deviennent notre femme. From the progeny of men, and let us beget children. Okay, on va faire les enfants. Qu'est-ce qui est arrivé? Verse 3. Then there make children, you see? You see how Satan feels, how the world will fill with the demons. Then there leader Samyaza. You see their leader? Samyaza. Said to them. Tu as vu? Les gens qui ont été donnés les enfants n'importe quel nom. La plupart des enfants là que vous avez nés, ils ont porté le nom de démon. You see? And people are giving their children all kind of name. You see? Go and check whether your own name is among all those names. So il faut aller vérifier si ton nom c'est parmi les tous ces noms. I fear that you may perhaps be indisposed to the performance of this enterprise. You see, for this plan, je sais que vous va être bien dans cette plan, notre décision là. Ok, allez-y. And I alone shall suffer for so. Que moi tout seul ne vais pas souffrir dans la punition, non? Parce que c'est que Dieu va les punir. Il sait où? Regarde, il sait. Tu sais, c'est pour ça que c'est dangereux, c'est ça que tu sais que ça là, ça que tu es en train de faire, il y a la punition de Dieu, mais tu es en train de faire ça, il va te punir. C'est iniquité, il a devenu iniquité. You see, you know that what God, this thing God say you should not do it, and they're going to do it. They know what they want to go and do. God will punish them, and he don't want to do it alone. So he try to cajole others to join him. For so grave a crime. Verse 5. But they answered him and said, we are sworn. Verse 6. And they all agree. And bid yourself the mutual execration that we will not change our attention. Que cet plan, on ne peut pas changer, on va faire. Ils sont rentrés dans l'alliance. They enter into a covenant that will carry that mission out. They bind themselves. But execute our project undertaking. Verse 7. Then they swear all together. They swear all together. They all swear. They take oath. Ils sont rentrés dans l'alliance. And all bind themselves by mutual execution. The whole number was 200. Ils sont combien? Vous avez vu là-bas, non? Des sons. They are 200. 200 sons of God.
who descended upon Hades, uh-huh, which in the top of Mount Hermon. Uh-huh. Verse 8. Uh-huh. That mountain, therefore, was called Hermon because they had sworn upon it. Il y a une montagne qui s'appelle Hermon. C'est là-bas qu'ils ont fait cette alliance. Uh-huh. And bound themselves by mutual execration. Ok. Va maintenant dans le 8. Va dans le chapitre 8. Chapitre 8. Va dans le chapitre 8. Va voir ça maintenant, ça qui est arrivé là-bas. Si, go and see chapter 8 now, from verse 1. Chapter 8, verse 1. Uh-huh. Moreover, Azazel told men to make sword. He teach men. No, go back. Hey, that's 7. We did not finish 7. Not finish 7. Where those one teach them is the last, the 2-3 last verse. In verse 7. Retourne dans le verse 7. Le verset 7, chapter, il y a mis tout ça, chapter 7, chapter 7. Deux ou trois, dernier verse. Go to the last verse, two or three last verse of chapter 7 of Enoch. When they turned themselves against men in order to devour them. Ça c'est pas, montez encore. Verse 10. Let us start from verse 10. Verse 10. Uh-huh. Then they took wife, each choose for itself. Each one of them choose wife. À partir de verset, ils ont tous, tout le monde, il a pris une femme. Uh-huh. Qu'est-ce qui est arrivé? Whom they began to approach and with whom they cohabited. Ils ont commencé de vivre avec faire les enfants. Hein? Teaching them sorcery, incantation. Il a montré, il apprend quoi? La drogue et la sorcellerie. Le démon, c'est le démon, toute la sorcellerie, toute la drogue, toutes les choses que nous on pratique aujourd'hui. C'est le démon. Quand ils ont commencé de sortir avec nous. C'est pour cela que même dans notre rêve, même après, quand le Seigneur il a aboli toutes ces choses et prendre Noé pour y crier encore, ils sont venus encore. C'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, il y a Marie-Denis, femme-Denis, qui vient polluer le humain, coucher. Quand tu es enceinte, l'enceinte que tu es, le bébé qui est dans le ventre, quand tu es couché, Marie-Denis vient toujours. C'est pour cela que l'enfant que tu vas coucher, il peut être un grand science, il peut être un grand ingénieur, il peut être un grand pilote, il peut être président aujourd'hui. Tout ça qu'il va introduire dans son pays, s'il est président, tout ça qu'il va introduire, c'est ça que le Nephilim, il a appris les gens là. Il ne peut pas montrer les gens le chemin de Dieu. Il va détester Dieu, il va haïr Dieu. C'est lui qui va signer la loi de lesbienne, la loi de homosexuel, la loi de infirmière, la loi de maman va commencer de coucher avec son fils, le fils va commencer de coucher avec son maman, et papa va commencer de marier sa fille, et le fils va commencer de marier ses frères, tout passer dans la loi vie. Tapons. Nephilim. Quand tu lis ça qu'ils ont fait, go on and read what they are doing. And the divine, wicked people, human that are not human. You see what he's saying there? They begin to teach you the chapter 7 of Enoch from verse 10 to the end. When they took the children, the daughters of a real human being, they begin to teach them witchcraft. That's why this Lord says, among my people, oh, I have seen evil. If anyone practice witchcraft among Israelites, stone him to death. Because he has become a demon. Tu as vu? Il est apprendre, ils ont appris les humains comme la sorcellerie. C'est pour cela que le Seigneur, parmi la loi de Dieu, il a dit quoi? S'il y a parmi des Israélites de Dieu, mon peuple, s'il y a parmi eux qui pratiquent la sorcellerie, lapide-les.
Parce que ça vient des démons, ça vient des mauvais, des gens là, les anges qui ont shooté. Donc, hein, ils ont fait tout ça. Parce que quand ils ont vu, le diable, il a vu, le diable cherche toujours comment il va polluer la terre, renverser la terre, les gens qui ne sont pas, crier les gens qui ne sont pas les gens, crier humains qui ne sont pas humains, arrêter de vivre avec nous. Faux Jeanne avec nous. Ils sont dans l'église. C'est dans l'église que tu vas rentrer et pratiquer la sorcellerie. La sorcellerie dans l'église. Le pasteur ne parle pas. Les gens ils sont nus, habillés nus. Quelqu'un va rentrer, les choristes couchent avec eux. Pasteur ne parle pas. Lui aussi, il a son maîtresse dans l'église. C'est pour ça qu'il ne peut pas parler. Parce que lui aussi, il est Nephilim. Un enfant de Satan, Lucifer, qui vous dirige comme pasteur, qui vous dirige comme leader, qui sont politiciens, qui sont politiciennes. Tout ça qu'il va introduire dans votre pays, c'est mauvais, mal. That's why they become your leaders, leaders in the church. They practice witchcraft in the church because they are from the children of the fallen angel, Nephilim. Witchcraft in the church, you never talk about it. You come there to pray a prayer concerning witchcraft, they will walk you out. Out of this ministry. We don't have problem with the witchcraft. We have overcome it. They will say Jesus Christ have done that one for them in the cross. He have said it is finished. So don't pray that prayer here again. C'est dans l'église que tu vas rentrer, tu vas élever la prière contre la sorcellerie. On va te dire non, ne fais pas cette prière, c'est la prière méchante. Dans notre église, on ne fait pas tous ces genres de prières. Jésus-Christ a déjà fait tout pour nous dans la croix. Il a déjà dit c'est fini. On n'a rien la relation avec la sorcellerie et tout. C'est les prières de, la prière de sorcellerie. Quittez là, ce n'est pas dans cette église. Cette église, c'est l'église de sorcellerie. C'est pasteur, c'est les enfants de Nephilim. C'est humains qui ne sont pas humains. Tu as vu pourquoi le Seigneur il est contre eux. Tu as vu pourquoi le Seigneur il est contre eux. Ils sont ennemis de Dieu. Les gens qu'il a crié, bien crié à lui-même, on les commencé à prendre les mauvaises choses pour aller pratiquer contre le Seigneur. Tu as vu? You see how, why the Lord hates them? The Lord hates wickedness, hates them to the core. Because they are the children of Nephilim. See how they took the real people, the real human that God created. They took them, not only that they sleep with them, not only that they took them as wife, they begin to show them wickedness to go and practice against God. Witchcraft, evil, to go and practice against God. That's why God is not here. Yeshua Amasiya is not here to play with the wicked people. To play with the Nephilims. Fool the world, fool the earth everywhere. They are your president. That's why they will come as your president. They will sign in lesbian. They will sign lesbian. America will move. You see them. They leave their continent. They enter Africa. Forcing Africa to put in their law, the law of gay, homosexual, lesbian. Who are you to touch the Eden of God? God will roast you to ashes. C'est pour ça que, aux États-Unis, il a quitté dans le continent qu'ils sont tous détruits là-bas. Il a venu dans le continent d'Afrique. Il nous a en train de forcer, récemment, il nous a en train de forcer pour mettre la loi des obligatoires, qu'on doit mettre la loi des lesbiennes, la loi des homosexuels, la loi des. Les bêtises qu'on doit signer ça et de glorifier Dieu, les chefs d'État d'Afrique, les autres qui sont sages, Uganda, Zambia, Ghana, ils sont signés dans les lois que si je vois quelqu'un qui fait lesbienne, si je vois quelqu'un qui fait homosexuel dans ce pays, il va terminer sa vie en prison. Ils ont signé ça. Bam! Ça, je lui dis, on va vous faire mal. Il dit, essayez ça, on va voir. On a déjà réveillé. Trop, c'est trop.
Trop, c'est trop. Nous sommes les Juifs de Dieu. Nous sommes Hébreux de Dieu. Vous nous avez trop trompés. Nous mettons le bêtise. Dieu, il a crié que c'est l'homme avec l'homme qui doit, l'homme avec femme. L'homme, il doit marier et faire les enfants. Et c'est ça que quelqu'un l'a demandé. Il a demandé et quelqu'un un jour, je pense que c'est un président de Nigeria ou ancien président de Nigeria qui l'a demandé. Comment tu vas dire? Il a demandé, Bidin, tu as dit de mener cette faire une chose dans la loi. Ton maman, c'est pas ton papa qui a couché avec ton maman avant de te nier dans le monde là. Pourquoi maintenant tu as revenu président, maintenant tu es en train de dire que l'homme avec l'homme doit coucher. C'est écrit où? Femme avec femme doit coucher. C'est écrit où? Dans ton temps, quand tu es jeune, qui a signé cette loi? Dans ton temps. On dit. Je vais te dire toute la vérité. Nous sommes au milieu de. On vit avec les gens qui ne sont pas les gens. Allez-y, continue. Finis cette loi. Celui qui veut maintenant, va lire le 9. Va lire le chapitre 9, chapitre 3. Va voir ce qui a passé. C'est pour ça qu'ils sont enlevés tous les. Tu as vu pourquoi ils sont enlevés tous cette livre. You see? Read chapter 8. Finish that chapter 8 for me. I think chapter 7. Chapter 7, finish it. Anyone that wants to get more information now, go and read the chapter 8, chapter 9, chapter 10, 11, 12, 13. And see what happened. That's the reason they remove all these books. They don't want us to know who is who on this earth. To know the children of Satan and the children of God. You continue? You did what? And the dividing of fruits and trees. The dividing of roots and trees, that is herbalist. Herbalist. Comment utiliser les arbres. Les arbres et les racines et tout, ce qui signifie, c'est le voodoo. Le voodoo. Allez-y. Go on. Verse 11. And the woman conceived brought forth giants. Regarde maintenant. All the adolescents and grossesses, ils ont commencé de nier les giants. Qu'est-ce qui est arrivé? See what the giant did. See your president. See your leaders. See your pastors. See your bishop. Eaters of flesh. Drinkers of blood. Ritualists everywhere. See how they were born. See how they were born. Maintenant, tu vas voir, tu vas trouver tes présidents, tes leaders, tous les leaders des pays, les politiciens, les leaders d'église, les papes et tout, qui sont dans les richesses. Regarde qui les a mis dans le monde. Regarde qui les a mis dans le monde. Ils sont néflins, ils boivent le sang, ils mangent la chair. Qu'est-ce qu'ils ont, il a dit, ils sont couchés les giants. Qu'est-ce qui a passé avec les giants? Oh yeah. What happened when they now born giants? What happened? Verse 12. Was statue and was each tree 100 cubits. That is their statue. Their statue. Comment ils sont giants. Allez-y. This devil and with the labor of men produce until it became impossible to feed them. Verse 13. When they turn themselves against men, they now ils sont imagine bien, imagine pro. C'est pour ça que toi qui l'aimes de manger, tu vas voir tu vas manger jusqu'à la nuit des enfants et tout, les enfants pour les enfants et tout, ça n'est pas suffit. Tu manges, bah tu es toujours faim. Vous allez vérifier, tu es qui? Si tu n'es pas Nephilim, ils sont conjugués toute la nuit, conjugués, ça n'est pas suffit. Ils ont commencé maintenant de manger humain. Go on, they begin to eat human beings. They turn to men. In order to devour them. They begin to devour the human beings. Ils ont commencé de dévorer les humains. Verse 14. And begin to enjoy beasts, reptiles, and fish. They begin to have sex. Ils ont commencé à avoir le rapport avec tous les animaux. Donc le rapport avec les animaux n'est pas commencé aujourd'hui. C'est tout le Nephilim là, les gens là qui a introduit ça au milieu de nous.
faux humaine au milieu de nous. Fake human being. That the one who introduce a human being begin to have sex with the animals. To eat the flesh one after another and to drink their blood. See, ils boivent le sang des humains. All the ritualists all over, all your politicians, all your pastors that are ritualists. This is it. They are the children of Nephilim, human, fake human among us. Tout votre pasteur, tu vas voir le pasteur qui sont rituel, qui tue, qui boit le sang des humains pour avoir la puissance, pour avoir l'option, pour avoir tout, qui communique avec le esprit mort et tout. Regarde-les, ils sont les enfants de Nephilim. Ils sont des Nephilim, faux humains au milieu de nous. Nous parlons de nous, on est marié. C'est pour cela que ne mariez pas quelqu'un à cause de l'argent. Ne mariez pas quelqu'un à cause de n'importe quoi. Va chercher la face de Dieu. Et connais d'abord celui que la personne il est. Ne mariez pas quelqu'un parce qu'il est dans ton église. Il peut être un faux Jean qui a venu comme qu'il est un enfant de Dieu. Va chercher le visage de Dieu. Va prier, demander Dieu. Some party. That's why I don't go in your church, in your this thing. Don't just see anybody because of his beauty, handsome. You see, Nephilim, they are very handsome. You see? Oh, very handsome. Tu as vu? Tu peux pas marier quelqu'un parce qu'il est très. Ah, c'est un bon garçon. Et c'est une belle fille. Ah, il peut être les enfants de Nephilim. Tu peux pas regarder ça. Va demander Dieu, va prier, demander Dieu. Et la. Le, papa, je vais marier. La personne là qui est en train de voir, il est qui? Il vient de où? C'est ton enfant? C'est pas parce que tu l'as vu dans l'église. Va vérifier bien. Ils sont partout. C'est eux qui ont rempli dans le monde. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes seulement 25% des populations de ce monde. Je vais t'annoncer ça. They fill all this world. We the children of God, we the children of Yeshua HaMashiach, we are only 25% of the population of this world. You see the problem? You see that there's problem? There is problem. 75% are fake human beings. Tu as vu qu'il y a le problème? 75%, 75% ils sont faux humains. C'est pour cela que tu dois faire attention. Qui est qui? Qui est à côté de toi? Qui est dans ta famille? Hein? Allez-y. Verse 15. Then the earth reproved the unrighteous. Ok, c'est ça. Tu as vu? Le 8 maintenant. C'est fini, non? Regarde le 8 maintenant. Il a commencé maintenant. Regarde ça que Azazel il a fait. Chapter 8 from verse 1. Moreover, Azazel taught men to make sword. Azazel aussi, il a commencé pour lui. Il a montré. Tous les ammunitions là, armes de nucléaire, armes de misère, armes de tuer, armes de renverser, armes qui chimiques, qui détruit, qui fait ça, qui sont déjà préparés pour la guerre, qui sont appelés les utiliser pour détruire, pour renverser, armored car. All this armored car, they are sending to Nigeria. United Nations, you are sending armored car to Nigeria. That armored car, Gababushunu. United Nations. Avec Buhari, they invite you to Nigeria. What they are doing to the eastern part of Nigeria, you did not see it since. It is now that you are sending armored car to Nigeria. That armored car will bury every one of you. Azazel is the one that will lead you to that. God will fight every one of you from A to Z. I'm declaring it here today. In the name of Jesus Christ. In the name of Yeshua HaMashiach. That armored car will bury every one of you that invite them. Fake human beings are human among us. Fake human amongst us. If the way they rig election in Nigeria is the way they rig election in your country that are sending that to UN, that if they did to Nigeria, we locate you and your generation in the name of Jesus Christ. Amen. Nonsense. Is that the envoyer? Four. Is that the envoyer? Arme de guerre, armor de car. Ça s'appelle comment en français? Le voiture de la guerre là. Les chars. Oui, ça que
ça qui tue là. Oui, ils ont envoyé ça au Nigeria à cause de les faux élections ils sont faits, que les gens ont été de protestes, et les gens ont été de rejet. Ils ont envoyé ça, Buhari l'a envoyé ça, le pays des Européens et tout, ils ont envoyé ça pour aller tuer tout ça, les critères qui sont déjà tués là-bas. De vous déclarer, vous qui envoyez tout ça au Nigeria, le Seigneur va vous localiser si la façon qu'ils ont fait l'élection de Nigeria là, que Buhari avec tout son ami européen, vous avez fait au Nigeria, si c'est comme ça que vous-même êtes en train de faire l'élection dans votre pays, Dieu, il va vous juger au nom de Jésus-Christ. Amen. Si c'est comme ça, l'élection, ils sont en train de faire l'élection, que les gens qui sont votés, c'est différent. Les gens qui sont placés maintenant pour entrer là-bas, c'est différent. Oh, si c'est comme ça, le jugement de Dieu, chacun de vous, vous n'avez pas voir la paix dans votre pays au nom de Jésus-Christ. Amen. Humains qui ne sont pas humains. Seulement le mensonge, il aime le mensonge. Empire romain. Le mensonge, c'est ça qu'il aime. Le Seigneur dit, l'aile père c'est Lucifer. L'aile père c'est Lucifer. C'est les gens que nous on vive avec. Et tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu ne veux pas réveiller. Tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu vives comme quelqu'un qui a perdu la connaissance. Tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu ne veux pas aller dans l'église là que tu vas connaître la vérité et rentrer dans la prière, prier que le mauvais chose soit renversé. Que Dieu, que le bon chose domine le mauvais chose. Pour, comment tu vas, le mauvais contrôle de dominer le bon. Toujours. Hein? You say you are a child of God. Hein? That's why we are crying. You should go to living church. Go to where you will get the truth. Enter into prayer. He said we should pray. Let his will, as it is done in heaven, let it take over this earth. He said to Job, let the wicked be shaken away, thrown away. Il a dit quoi? Il dit, priez-vous que ma volonté, comme ça se fait dans le ciel, que ça soit fait sous cette terre. Le mauvais chose qui est en train de passer dans le monde là, toi qui es en train de prier la paix du monde, la paix, le Seigneur ne nous a pas envoyé pour faire ça. Il dit, priez-vous que ma volonté, comment cette volonté se fait dans son royaume, que ça soit fait sous cette terre. Que les méchants, il a dit Job, pourquoi? Que les méchants soient secoués, jetés à l'abîme, quittés dans ce monde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ah. Amen. Que Dieu que nous en savons. Dieu ne nous a pas. Il ne nous a pas ménagé. Oui, il les a laissés grandir ensemble. Mais il nous a dit, il a venu dans le 2 Corinthiens 6, à partir de 14, il dit, quelle relation mes enfants font avec les méchants là? Quelle relation à l'humain il fait avec avec le ténèbre? Quelle relation? Il a venu dans l'Apocalypse. Apocalypse 18, 4, il dit, mes enfants, mon peuple, sortis dans cette famille. Regardons la famille. Ok, regardons la famille. Let us go to family. Regardons la famille. Ah, comment on vit comme les gens qui n'est pas papa? On a notre père. Satan n'est pas notre père. Lucifer n'est pas mon papa. Je ne peux pas vivre comme eux. Je dois maintenir la loi de mon papa, Yeshua Hamashiach. Je dois dire les gens la vérité. Répentez-vous. Il arrive. Les méchants, il a donné le temps. C'est eux aussi qu'il a appelé le païen. It is them also he called the Gentiles. He said, until the time of the Gentiles is complete, he gave them time, all the wicked, everyone, all the Nephilim, time for you. Before he will come and destroy you. Uh-huh. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. Regarde la famille. Qui est dans ta famille? Vraiment, va dans le livre de Luc. See in the family also.
Avant de voir dans ça, aide-moi à aller encore. Va voir encore la parole de Dieu. Les gens qui ne sont pas les gens. Les peuples qui ne sont pas les peuples. Ou même qui ne sont pas les humains. Que nous, on vive. C'est tout dans la Bible. La Bible, il a tout expliqué. C'est pour cela qu'ils ont essayé de tricher la Bible. Essayer de changer les choses dans la Bible. That's why they try to change the Bible. To do a lot of things in the Bible. See again in Deuteronomy 32:21. Deuteronomy 32:21. Le gars, c'est ça qu'il a dit là-bas. Il a appelé. Toute la Bible, tu vas voir les noms. Il a appelé, il dit, ils sont le nation foule. Les gens qui ne sont pas les gens, les nations foule. Hein? S'il vous plaît, là-bas, aide Mali. Hein? Deuteronomy 32, verse 21. Let's also read Deuteronomy 32, verse 21. See what he called them there. Everywhere in the Bible, the Lord identify who they are. Fake women among us. See what you call them, foolish nation, and people who are not people. Ils ont provoqué ma jalousie. Ils ont provoqué, nous, les Israélites, on a provoqué la jalousie de Dieu. On les a provoqué, on a brisé toute sa loi. We provoke our God, we destroy all his commandments. See what he did to us. Qu'est-ce qu'il a fait contre nous? Ce qui n'est pas Dieu. Ils m'ont irrité par leur idole sans consistance. Uh-huh. Et moi, je provoquerai leur jalousie parce qu'il n'est pas un peuple. Je provoquerai une nation sans intelligence. Il va nous provoquer avec une nation sans intelligence. Sans intelligence. Et avec aussi des peuples qui ne sont pas peuples. Quelqu'un encore, allez, lis-moi. Regarde ça que Jésus-Christ il a dit, Matthieu 10, 16. Look at what Jesus Christ called them again. In Matthew chapter 10, verse 16. They are all in the Bible. Fool everywhere. Uh-huh. Il a dit quoi? Une autre personne, aide-moi, ouvrez Matthieu 7, 15. Matthieu 10, verset 16. Uh-huh. Les persécutions à venir. Uh-huh. Écoutez. Je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Il a dit quoi? Je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Uh-huh. Tu penses que le loup là, il vient comme le loup? C'est humain. Il a la chair comme nous. Mais ils sont des loups. Humains qui ne sont pas humains. You see it? I send you in the midst as a sheep in the midst of the wolves. Who are these wolves? You think that the wolves is animal that will appear to us? No. They are human beings like beasts. Eaters of flesh and drinkers of blood. Human who are not a human. Fake human being. He sent us in their midst. Il nous a envoyé au milieu de eux. Bien aimé. Les enfants de Dieu. Nous sommes au milieu de loups. Uh-huh. Aide-moi lire encore. Matthieu 7, 15. Let somebody help me read again. Matthieu 7, 15. Matthieu 7, 15 nous dit, méfiez-vous des prétendus prophètes. Uh-huh. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Uh-huh. Ça, c'est les gens qui nous donnent la prédication. Mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Ah, loups voraces, dévorants. Loups féroces. Qui sont méchants. You see, wicked wolves. But we are living among them. Fake human among us. Faux humains au milieu de nous. Tu vas les voir, ils m'ont dit qu'ils sont, les prières guéries. Ils sont ta sœur dans l'église. Ils sont ça. Alors que ça, qu'ils sont quoi? Dévoreurs. Ils sont différents. Ils sont lus au milieu de nous. Faux gens au milieu de nous. Tous les jours, on les raconte. Apocalypse 6, il dit, ils sont la bête méchante de la terre. Apocalypse 6 call them the wicked beast of the earth. The wicked beast. Maybe around the verse, maybe 7, 8. Peut-être 5, 6. Peut-être tu vas les trouver dans l'Apocalypse, peut-être 5,
Apocalypse 6, peut-être 5 ou 6 ou 4, 5. Il dit ils sont les la bête méchante de la terre. Ça, c'est les politiciens, tous les leaders. Alléluia. Que tu vas, quand tu vas encore dans l'Apocalypse 6, à partir de 12, qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Ils sont cachés quand la noix a apparu. Après, quand ils sont renversés, cette monde, détruit les enfants de Dieu, envoyer tous les gens dans l'enfer, depuis le roi des rois, il a apparu maintenant, ils sont en train de chercher le montant et le rocher là qu'il va aller cacher. Tu l'as vu, non? Continue de les suivre. Mon chef d'État, mon papa spirituel, mon papa pasteur, mon prophète, mais tout, il va te détruire le jour là, il va voir que oui, il a déjà fait la mission de son papa Lucifer, il a déjà envoyé à l'enfer. Maintenant, il va fuir maintenant. Quand Jésus-Christ va apparaître. Continue de follow them. Think that they are human beings. You see it? Revelation chapter 6. Call them the wicked beasts of the earth. Chapter, you go to Revelation chapter 6 again. Read from verse 12. You will see it there, how they run to go and hide hide under the mountain, asking the mountain to fall upon them. After they have destroyed the children of God, after they have sent you to hell, your pastor, your bishops, your presidents, your leaders, all of them, go and see them. Captains, general, every one of them, even those ones that are poor and rich, every one of them, you have them in your families. They will tell you that don't go to that church because the pastor is preaching what is hitting them. After they will send you to hell, see their own judgment. Nephilim everywhere. Après avoir t'envoyé à l'enfer, tu as vu, il dit le pauvre, même tout, les leaders et tout, les politiciens, tu as regardé, notre président, ton président, il t'est même, tu ne sais pas ce qui est assis là-bas. Il travaillait pour le diable. Combien de présidents dans le monde là qui savent Yeshua Amashia? S'il y en a, il n'y a qu'un puissant. Un seulement, un puissant. Que Dieu nous aide dans Jésus-Christ. Que Dieu nous délivre dans le nom de Jésus-Christ. Va chercher Dieu. Va savoir Dieu dans l'esprit de la vérité. Savoir Dieu que tu peux rentrer dans son royaume. Va mettre ta vie en ordre. Et demander d'abord qui tu es qui. Tu n'es pas de Nephilim. Pourquoi tu détestes la parole de la vérité? Tout ce qui déteste la parole de la vérité sont Nephilim. Ils sont les enfants de diable. On peut être dans la même famille. Non, je vais te montrer. Regarde. Luc. Va dans Luc 12. Toi qui déteste la parole de la vérité. Et tous les autres, tu vas chercher Dieu. Tu l'as dit de décourager. Pour toi, c'est pour décourager. Critiquer Sylvester. Tu viens de Nephilim. They will say they are children of God. Other ones are going to serve God. You are there criticizing Sylvester. You are from Nephilim. Hallelujah. Amen. Asseyez-vous. Let's lire après. Uh-huh. Luc chapitre 12, verset 49 à 52. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Uh-huh. Combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. Il dit, il est venu jeter le feu. Hein, les gens qui prient pour la paix de la terre. Tu as échoué. Il y a un baptême dont je dois être baptisé. Uh-huh. Et quelle angoisse pour moi. You see, I come to throw fire into this earth. That's what our Lord Jesus Christ is saying there. In Luke 13, in Luke 12, verse 49, from verse 49. You that are praying for peace of this earth. Prophet that are prophesying peace. You are a failure. You are a fake prophet. No peace on this earth. Until Yeshua will take the kingdom of Yeshua. We take over. Tous les faux prophètes qui ont dit de prophétiser la paix de la terre. Vous avez tous échoué. Va lire le livre de Daniel le bien. Il n'y a pas la paix sous cette terre jusqu'à le royaume de Yeshua Amashiach va éliminer tous les mauvais gens-là. Il va les détruire, renverser. Et il va maintenant établir son roi. C'est ça. C'est le temps-là qu'il y a la paix. Et les gens qui vont être dans son royaume, et c'est les gens qui font tout ça qu'ils veulent. C'est pour ça que lutter, il a dit lutter pour être parmi les gens qui vont rentrer dans son paradis.
ils sont en train de prier la paix, la paix. Le prophète est en train de prophétiser la paix, la paix. Quelle la paix? Toi, quand tu es sous cette prophétie, cette prophétie va te conduire dans, à l'enfer. Et vous avez vu, that following those prophets that are giving you the prophecy of peace, 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 peace. Nigeria, Nigeria, what you are seeing in Nigeria is the shaking of the power of the Most High God to recover his Hebrew Israelite. Which peace are you prophesying in Nigeria? All the wicked people in Nigeria, wicked leaders, wicked, all of them that have destroyed that country will be buried by the earth. The Lord will swallow them up. He's shaking, you shake that land to get back his Hebrew Israelite. What prophecy are you giving? Nonsense prophecy. Who doesn't know the Bible? Go and study the Bible. You think what? Qu'est-ce qu'il a dit? What did he say? Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je. You think that I have come to bring peace on this earth? The Lord Yeshua Amasi a dit non. Mais la division. I came to bring division. En 52. En effet. Désormais, s'il y a 5 personnes dans une famille. In a family, if there is 5 people there, s'il y a 5 personnes dans la famille. Elles seront divisées. Ils seront divisés. 3 contre 2 et 2 contre 3. Le Nephilim qui est dans votre famille, il va contre le vrai des enfants de Dieu qui est dans cette famille. Parce que les vrais enfants de Dieu qui est dans cette famille, le jour qu'il va trouver la vérité, le jour qu'il va raconter la vérité, qui va commencer de faire les sacrifices et sauve Dieu comme Abel. Tout le Caïn dans cette famille, il va chercher à les éliminer. Tu as vu, non? Que dans notre famille, on a le problème. Que Yeshua aussi, il a dit, ennemi de quelqu'un, c'est le membre de sa famille. Il t'a dit que c'est Dieu. C'est dans ta famille. Le jour que tu as rencontré la vérité, le jour que tu as rencontré le message de la vérité, le jour que tu as rencontré Yeshua Amasia et les Nephilim dans ta famille, les Caïn dans ta famille, le Saoul dans ta famille, il domine dans ta famille, il va élever contre toi. You see the word of God? So we don't know. In your family, you have them there. The Lord speak to the, he came to family matter, my family, my mama, my mama, my papa, my papa. He said, if there are 5 in the family, what he's saying there, the day, if it is 2 or 3 that will come to the truth, the 3 that are Nephilim, the 3 that are Cain, the 3 that are Edomite, the 3 that are Esau, will rise up against that 2 that get the truth. He will fight, they will fight him like Cain killed Abel. If they would look for how to kill that person, like Esau pursued, try to eliminate Jacob, he will do it. Que Dieu nous délivre, nous, à Jésus-Christ. Je sais, c'est comme toi. Le père contre le fils. Et le fils contre le père. Tu as vu, non? Mon papa. Mon maman. Peut-être c'est son papa qui est Nephilim. Il va contre toi le jour que tu as compris la vérité. Le jour que tu vas dire, papa, la Bible dit, l'alcool n'est pas bon. Tu es fou. Ah, papa, tu es un fornicateur, hein? Dans ta bouche. La guerre a commencé. Papa, moi je ne prie pas dans le catholique. Dans toute votre église là, je ne trouve pas la vérité dedans. L'église là que j'ai fait ma baptême. Tu ne vois pas mon certificat de baptême dans le salon depuis 1940. Tu voulais quitter dans cette église? C'est là-bas que j'ai été couché, c'est là-bas que j'ai fait ta baptême. C'est là-bas que j'ai trouvé ton maman, tu es marié. C'est comme que tout ça, là, ça va lui amener aussi. As if you baptize, ça fait que tu hagues de parler of baptism. It is as if you just will take it to heaven. The church where I do my baptism, my father, he will mention the name of the father. Now, Okori. That's where he brought me as the baptized. Hey! This child have provoked me. I disown you. Hallelujah.
La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. La guerre dans la famille. Nephilim dans la famille. Si vous voulez savoir qu'on a le Nephilim dans la famille. Regardez ta famille avec ce message. Regardez bien. Combien de humains qui sont dans ta famille? Combien de humains dans ta famille? Watch very well. How many human beings are in your family? Mon maman m'a dit. Ton maman, il est Nephilim. Il est Caïn. Il est Esaü. Il est Édomite. Il y a les autres, ces enfants qui vont dire, je ne vais pas aller dans cette église. Je ne vais pas aller dans cette église. Il prend le temps. Il prend le temps. Et le pasteur prend le temps. Les gens se prennent le temps. Il prend le temps. Regarde-les. Tu as ni tous ces enfants. Regardez-les. À partir de 1 jusqu'à la fin, ils sont tous Nephilim. Qui besoin la délivrance. Par avant, si Dieu il veut, il va les délivrer. Regardez, c'est eux qui t'ont dit qu'il paye le temps, il paye le temps, il paye le temps. Quand tu les laisses sur, tes enfants là vont te conduire à l'enfer. Tu vas savoir que tout ça que tu as couché, c'est Nephilim. Le temps que tu as dit, tu as en grossesse de ces enfants-là, tu es enceinte. Tu peux compter combien de fois que le démon est venu faire le sexe avec toi. C'est le temps de s'entendre des produits, à changer tout ça qui est là-bas, en train de mettre le Nephilim là-bas. C'est pour cela que maintenant ils sont en train de grandir. Quand tu parles de Dieu, ils sont en colère, en colère. Mais si tu parles de on va aller manger le kebab, McDo, KFC, ou aller neiger. Allez, neiger, il y a le soleil. On va aller ouvrir le pied dans le soleil. Et il va aller. Ah! Il va arrêter de sauter parce que c'est là-bas que. C'est ça que tous les collègues, les démons, ils sont là-bas. Il va sauter. Il va dire alléluia, alléluia, alléluia. Mais si c'est la maison de Dieu, là où il y a le père, il va. Ah! En colère, démon, tu vas voir démon vraiment dans les yeux où il va sortir. Sapin, tu vas sortir dans les yeux, tu vas regarder les visages, c'est Sapin qui sort là-bas, tu vas dire, hey, ça c'est quel enfant que j'ai dans la maison. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus-Christ. Faux ou même au milieu de nous. You see it? How do you know them in your family? In your family, many of the parents, they have Nephilim children. How do you know when you are pregnant? How many demons come to sleep with you? How many spiritual sex that you have in the dream? That's when they polluted those children and put the seed of Nephilim in them. That's why when you talk about God, now you are growing. Now you tell them about God. Ah, come and see their anger. Come and see their wrath. Come and see how they will change to serpent. Come and see how they change to dragon. They will change to crocodile. All their eyes will come out like the eyes of crocodile against you. What do you mean? Are you the one that will tell me the church that I will worship? I am not interested. Leave me, I'm not going to your church. Because of what? Fire is that place. But to call them, gather them that today is a holiday. We will go and do our nonsense, the nonsense Easter. They will go and do it and in McDo eat and dance and do this one. They will say, hey, mama, mama de mama. May God bless you. You are good, mama. Tell them that we go to swim in the swimming pool where they will open their breasts, open their ears. She says, ah! Number one, mama, because of what? That place, they are going to meet their friends, demons, in the water, in the sea. Fake human among us. May God deliver us in the name of Jesus Christ. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus Christ. Faux Jean au milieu de nous. Philippe 3, 18. Regarde les faux pasteurs. See the fake pastors. They are there to make money and grow their wicked pastors. Look at what they call them. That's how they feel everywhere, feel in MFM. They are only there. They only come to where they will be paying them money, give them money, make money, get everything. They are not ready to do the work of God and speak the truth. Faux pastor. Valez-vous, don't le Philippe, don't leave the Philippe throughout this week. Valez-vous là-bas, ils sont là-bas, ils disent sont ennemis de l'évangile de Jésus-Christ. Ennemis de l'évangile de Yeshua Amasia. Ennemis, ils sont ennemis.
Tout ce qui concernait Yeshua, Amasia, tout ce qui concernait Yehovah, il déteste. Everything that concernait Yeshua, everything that concernait Yeshua, they are preacher, they call themselves bishop, they call themselves papa, they call themselves doctor, prophet, bishop, mbombo na mbombo. Their title is, you cannot count it finish. But they hate the truth. Edmond Lee, si vous êtes là-bas. Philippiens chapitre 3 et verset 18. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Merci. Je vous ai souvent parlé d'eux. Il nous a souvent parlé. C'est pour ça que je vous dis, fouillez dans la Bible. Il a parlé de eux. Tout le apôtre de Dieu a parlé de eux. Jésus-Christ, il a parlé de eux. Et tous les prophètes Moïse et tout, ils ont parlé de eux. Ils sont tous parlés de cette Jeanne. Et je l'ai fait maintenant encore. Encore. En pleurant. Maintenant même, il pleure parce qu'il a vu que oh, c'est un prophète. Apôtre Paul, c'est un prophète. Il a vu que oh, ça qui va arriver à cette Jeanne-là, si je mets, oh mon Dieu, il commence à pleurer. You see? Apôtre Paul est saying there, I have said it before, I am repeating it again. Even now, he is crying because he see the wickedness that these people who are not human will do to us and do to the gospel of the Lord Jesus Christ is terrible. C'est fini? Non. Verset 19. Leur fin, c'est la perdition. Leur fin, c'est la perdition à l'enfer. Ils ont pour Dieu leur vente. Ils mettent leur gloire dans ce qui leur fait honte. Ils ne pensent qu'à la réalité de ce monde. Their God is their stomach. Stomach, what they will eat. You see them, they are all in the NFM. They are all there for money. Money. They are not there to do the work of God and win soul and speak the truth and preach the truth for people, for the souls of people, to be saved. They are only fighting for posts. They are only fighting for posts. Tu vas aller voir dans l'église de MFM, ils sont là-bas, ils ne disent pas la vérité, ils sont là-bas en train de chercher l'argent, ils sont là-bas de prêcher le faux message pour avoir l'argent, pour rassembler les gens pour avoir l'argent, ils sont là-bas pour les vendre. Au lieu de prêcher la vérité, dire les gens la vérité, celui qui va partir, laissez-les de partir. L'église de Jésus-Christ n'est pas venu pour chercher le monde. C'est pour ça qu'ils sont remplis, l'église est remplie avec un faux genre. Humains qui ne sont pas humains. Ministères qui ne sont pas ministères. Ministère des diables. Si tu vas encore dans le 2 Corinthiens 11, il a dit, ils sont des ministères des diables. Satan, leur papa aussi, il s'est transformé comme Yeshua à Masséa, comme des souris, comme ange de la lumière. Il s'est transformé, il se transforme aussi, il prend la forme comme ange de la lumière. Et tous ses ministères aussi, s'ils sont apôtres, et bishops et tout, ils sont tous transformés dans la maison de Yeshua. Wicked people, that's why. Apostle Paul also cried again. He said in 2 Corinthians chapter 11, he said, look at them. He said their father, Satan, he changed himself like an angel of light. And his children also, he have also apostles, bishops, all of them, they transform like an angel of light. You will see they will be saying something as if it is true too. But go close to them. See them, what they are saying is all lie. False apostles, false ministers, human, fake human among us. Levez-nous. Matthieu 12, 34, 37, Yeshua Amasia, il est appelé vampire. Ils sont vampires. In Matthieu 12, 34, 37, Yeshua Amasia called them vampire. They are vampires. Joël 2, 9. Hey! Ils sont volés. Ils sont rentrés dans l'évangile de Jésus-Christ par fenêtre. Joël 2, 9. C'est des actifs. They enter the gospel of Lord Jesus Christ through window. Through window. Par fenêtre. C'est pas par la porte. Par fenêtre. Volés.
prier. Seigneur, séparez-moi. C'est pas moi. Papa, Dieu fait la séparation. N'importe qui ne soit pas humain. Tout faux personne, tout faux humain. Papa, éloigne-les. Faux humain. Faux humain. Les enfants prient. On a vu là qu'il dit. Il dit, il pratique la sorcellerie. Qui est ton ami qui est un sorcier? Les amis, copie, copain, tu ne connais pas celui qu'il est. Il dit, on est tout cet âge. Tu le démon là, il apprend comment pratique la sorcellerie. Plupart de nous, on a les amis sorcellerie. On a les amis les occultes. On a les amis les occultes. Les parents, c'est les occultes. Ils sont tout partout. Ils sont au milieu de nous. C'est très, très dangereux. Tu as besoin de l'esprit de discernement. C'est pour cela que c'est la prière très chaude qui peut les exposer. C'est la prière très chaude qui peut les mettre loin de toi. C'est la prière très chaude qui peut même arrêter tous tes enfants qui sont déjà possédés par tout cet esprit. C'est la prière très chaude. Tu dois être dans l'église très chaud, très chaud, très chaud, très chaud tout le temps. Tu dois être très chaud, très chaud, très chaud. Tu ne dois pas pitié. Tu ne dois pas pitié. Il y a une confession que j'ai vue dans une bonne église. Une bonne église dans le YouTube. Une confession. Un enfant de, je ne sais pas si c'est 13 ans ou combien. Combien d'années il est. Il est occulte, en sorcellerie. Il a cherché pour éliminer son maman. Grâce à Dieu que son maman était dans l'église de la vérité. L'église qui prie. Il dit c'est la prière. Le temps que le Seigneur l'a arrêté. Et son maman maintenant il a pris. Venir à l'église. Il ne veut pas venir là. Il était cette église. Mais quand le Seigneur l'a arrêté, il a venu maintenant. C'est là-bas que le feu de Dieu lui a arrêté, lui l'a frappé. Il a commencé de confesser comment il a attaqué tout les affaires de son maman et tout. Mais comme la femme là n'arrêtait pas la prière, il dit c'est ça qui détruit toutes les choses. Il dit son maman est prise. C'est pour ça que les parents priaient, je ne sais pas. Toi qui connais la vérité, la prière, je ne sais pas qui est qui dans ta famille. Qui est qui? Il te voit, il fait comme qu'il t'aime. Mais ça qu'il fait dans le ténèbre sous toi, ce n'est pas une petite chose. Oh Dieu, mon Père! Oh Dieu, mon Père! Oh le God de l'homme! Oh Dieu, mon Père! Localise! Toute fausse personne! Dans ma famille! Dans la maison de mon père! Dans mon lieu de naissance, dans mon ministère, dans mon travail, dans mon lieu de naissance, dans mon ministère, dans mon travail, dans mon lieu de naissance, dans mon lieu de naissance, dans mon travail, dans mon lieu de naissance, 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 dans mon lieu de naiss
Puissant de Jésus avant prière. Au nom puissant de Jésus avant prière. Amen. Toute fausse personne. Toute fausse personne. Assignée pour m'envoyer à l'enfer. Assignée pour m'envoyer à l'enfer. Toute fausse personne. Toute fausse personne. Assignée pour m'envoyer à l'enfer. Assignée pour m'envoyer à l'enfer. Tu es menteur. Tu es menteur. Sois disgracié au nom de Jésus. Au nom puissant de Yeshua, à ma sœur, qui n'a pas prié. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Amen. Maintenant, tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas demander le Seigneur. Tu vas demander le Seigneur que la puissance de toutes ces faux personnes, soit c'est le chef d'État, soit c'est n'importe qui que ça soit, leur puissance et leur autorité sur tes enfants Israélites soit anéantie au nom de Jésus-Christ. Priez, demandez le Seigneur. Papa. All the fake people, fake women, whether they are Buhari, whether they are politicians, yeah, in the, any authority they are, in anywhere they are, tormenting the Israelites of God, tormenting the Israelites of God, tormenting us, manipulating us, working against us. Let the Lord dismantle their power. Let the Lord nullify their power. Let him neutralize their power. In the name of Jesus Christ, every fake woman, tormenting the children of God, tormenting the Israelites of God, tormenting the Hebrew Israelites of God, tormenting us, working against us, manipulating our life with the evil authority. Let the thunder fire of God nullify all their power and authority. Let it be nullified. Que toutes les puissances soient anéanties au nom de Jésus Christ. Anéanties au nom de Jésus Christ. Anéanties. Let l'autorité sous nous, dans le rêve physique et spirituel, soit anéantie par la puissance de sang de Jésus avant prière. Merci Dieu. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur pour cette message. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. Que le Seigneur aide nous. Que le Seigneur aide nous. Que le Seigneur aide nous. Que le Seigneur nous donne l'esprit de discernement. L'esprit de discernement. Connais celui que tu es. Connais qui est ton ami. Connais celui qu'ils sont. Ils sont là pour nous envoyer à l'enfer. Les Nephilim, ils sont là pour nous envoyer à l'enfer. The Nephilim are here to send us to hell. Know who they are. Know who is your friend. Know who that pastor is. Know who that church is. Know all of them. They are here. They are here. They are here. It's on la. It's on la. Le Nephilim, it's on la. 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 Il vive avec nous. Le Seigneur nous a dit ça. Il nous a avertis. Le Seigneur nous a avertis. Le Seigneur nous a avertis. Le Seigneur nous a avertis. Yeshua nous a avertis. Our Yeshua, he warned us. He warned us. They are living among 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 us. Fake human beings. Fake women. They are living among us. Be watchful. Be careful. Many of us have married them. Many of them have married them. Plus pas de nous, on a déjà marié. On a déjà marié. Les gens que tu as marié, ton mari, ta femme, il est qui? Vérifiez bien. Ils sont Nephilim, ennemis de Dieu, ennemis de la vérité. Priez. Fais-toi-même sortir dans ce bondage. Utilise la prière pour les disperser, pour ne pas reposer dans la prière. La prière que tu vas utiliser pour briser toutes les puissances, pour renverser toutes les puissances. Use prayer. You have married them. Most of us have married them. Nephilim wife, Nephilim husband. We have married them. Use prayer to scatter them, to break them. Don't give them chance to carry out their operation. They want to send it to hell. On veut t'envoyer à l'enfer. Leur mission, c'est pour t'envoyer à l'enfer. J'utilise la prière pour briser tous les plans, détruire tous les plans au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci notre Père. Merci le Roi des Rois.
Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Au nom de Yeshua, ma chère, nous avons prié. Amen. Cette fois et même, on y va. Amen. Amen.